Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une imposante pile de matériaux de construction. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Bon, l'entrepôt, on va le dégager. On pourrait se faire du marbre, de la fonderie ici. Se sentiront plus forts. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. On pourrait faire du vin ici, en vrai. Mais enfin, une cité ne se conçoit pas sans vin. On peut avoir des sculptures là-bas, Xilouf. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Si j'élève juste un peu les taxes. Ouais, je me dis c'est très élevé, ça devrait compenser. Est-ce que je peux construire le sanctuaire d'Athéna ou non? Deux sanctuaires, bon bah, tant pis, hein. Y a personne qui achète du vin. Ah, Copan achète du vin, ceci dit. Bon, là on a du chômage en masse. On va faire.
de la raffinerie. Ça suffira. On a 8% de chômage encore, ceci dit. On va monter à 12. Je vais monter en 20, je monte. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. On n'a plus d'huile d'olive, par contre ça peut être dangereux. Bah les deux artiguides, on peut les virer en vrai. Mais enfin, une cité ne se conçoit pas sans vin. Re les amis, je vous retrouve après une ellipse d'environ 2 bonnes heures, donc j'ai terminé contre la vie comme je voulais. Le sanctuaire d'Atlas a été prêt, le sanctuaire d'Innocence aussi. On est remonté un petit peu dans les revenus. Là, je suis après l'ennemi Swashing. Alors concernant le récalque, je l'ai placé là. J'ai mis 16 raffineries environ pour avoir tout l'oricalque possible et imaginable pour assurer l'objectif des 64 lingots d'oricalque en une année. Je pense qu'on est largement bien reparti. On est à 64, on va être à 75 lingots, donc je pense que c'est pas mal. J'ai quand même enregistré par sécurité et on va voir si le quota a été rempli ou non. Le passage avec un seul quartier, ça suffit. Hein. L'île écarlate s'est montrée à la hauteur de sa réputation de lieu sauvage et dangereux. Bellérophon s'est occupé des Chidna comme elle le méritait. Et il se réjouit déjà à la perspective de dompter les autres bêtes féroces de l'île. Sa présence va permettre aux vaillants colons de se consacrer pleinement à l'extraction de l'oricalque. Les réserves d'oricalque de l'île semblent inépuisables, à tel point qu'aucune cité atlante ne devrait plus jamais en manquer. Voilà donc. La seule difficulté du scénario, entre guillemets, c'est le fait qu'on n'ait rien du tout en nourriture, qu'il faut tout importer. Mais une fois que vous avez lancé du commerce, genre par les sculptures, vous pouvez vite vous rentabiliser et être bénéficiaire. Au début, il faut laisser un peu de l'argent, bien sûr, dépenser. Et voilà pourquoi j'ai dû choisir Yanira en dernier, parce que je pense que c'est la colonie la plus intéressante à faire. Et surtout, pour dompter cette île sauvage qu'est l'île écarlate. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee ou la page avec la chaîne Twitch aussi avec les subs quand je stream essentiellement le week-end. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, c'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.